Coucou les filles. D'ailleurs, je dis les filles, il y a peut-être des garçons dans le lot, donc je vais dire bonjour à tous. C'est voilà, ça englobe, c'est mieux parce que c'est vrai que on dit souvent les filles, mais peut-être qu'il y a beaucoup de garçons qui regardent aussi. J'ai déjà vu des hauls justement, actions faites par des hommes, donc pourquoi pas. Donc bonjour à tous. Je reviens parmi vous pour un haul aujourd'hui action. J'ai pas mal de choses encore une fois que j'ai cumulées depuis quelques semaines, quelques 15 jours, quoi. Vous connaissez ma passion pour action. Vous voyez ma couleur, ça fait bien. La fille qui se mate dans le. Avec mon bref, ouais, passons. Ne vous inquiétez pas si vous voyez ma petite rougeur là, c'est rien en fait. C'est que j'ai frotté trop fort quand j'ai voulu m'enlever la tache de couleur que je m'étais faite sur le cou. Et du coup, je me suis brûlée. Je me suis trop râpée, donc voilà. Donc vous inquiétez pas, ça partira, ça va un petit peu mal, mais c'est bon, je ne vais pas en mourir. J'ai fini de raconter ma vie, je vais commencer parce que sinon le haul va durer 3 plombes, comme d'habitude. Parce que vous me connaissez, quand c'est action ou nose, j'y fous 3 plombes. Donc je vais commencer tout de suite par. Alors je ne vais pas dire les prix. Comme dans le dernier haul action, je vous les mettrai certainement de ce côté, puisque j'aime bien le mettre de ce côté. Voilà. Sur ce, je commence. Donc, avec un petit livre pour enfants que j'ai pris pour ma fille. Donc, c'est Animaux, regarde et apprends. Donc, vous voyez, il y a chevaux, lapins, vaches, moutons, coqs. Voilà, dedans, il y a comme ça, donc c'est cartonné, c'est vraiment bien. Oh mon dieu, il y a une araignée, quelle horreur! Je supporte pas, je sais, j'ai une phobie des araignées. Évidemment, il faut que je tourne ça, quoi. Vous voyez là, voilà, là ça va mieux. Il y a des crocodiles. Oh, mais non, il y a une autre araignée, mais c'est pas possible. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs, beaucoup, enfin, ouais, plusieurs pages des animaux marins et tout. Non, vraiment, pour le coup, très bien. Et puis pour le prix. Je vois que dans l'autre gamme, je les avais vus, mais là je vois que ça y est marqué. Il y a aussi La Ferme, Mon et Comté. Peut-être que je le lui prendrai la prochaine fois, mais pour l'instant, elle a celui-ci. Et voilà, il était à moins de 2 euros, il me semble. Voilà. Ensuite, tant que je les ai sous la main. Dernier haul, je vous avais présenté les tasses Monsieur et Madame. Enfin, les mugs, tasses, ce que vous voulez. J'ai trouvé. Les bols. Voilà. Et comme on est des fans de céréales, ou même le soir une petite soupe, j'ai dit on n'a jamais assez de bols. Donc voilà. Petite paire de bols, exactement comme les tasses. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué que les tasses, nous on les a achetées en rouge et noir. Et elles existent aussi en argenté, les filles. Donc si vous aimez ça, voilà, n'hésitez pas, elles sont aussi en argenté. Alors ça, je ne sais pas si ça va passer dans il y a des cheveux à moi, c'est charmant. C'est un. Alors on appelle ça normalement un chien de porte. Là, c'est plutôt un chat. Voilà. Donc il est dans les tons gris, il est relativement, vous voyez, long, voilà. Il était aussi dans les tons top. Et il y avait aussi des chiens bulldog. Enfin voilà, il y avait plusieurs sortes. Il n'y avait pas que des chats. Voilà. Et celui-ci, ça aussi pas cher. C'est action, quoi, donc c'est pas cher. Ensuite. J'ai craqué. Est-ce que ça va être dans le bon sens? Évidemment, non. Bon, on arrête là. Voilà, donc j'ai craqué pour la grande roue spéciale. Noël. Vous connaissez ma passion pour Noël et là, c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que
Je me retenais de ne pas la prendre. J'hésitais avec le manège, mais le manège, elle en a un dans sa chambre, donc je dis, bon voilà, j'ai dit pour décorer la maison au moment de Noël. Surtout que là, en ce moment, elle est en promo, donc je sais le prix, c'est 12,95 €. Et franchement, voilà, ça vaut vraiment le coup, parce que quand vous vous rendez compte du prix que ça coûte, quand vous allez à Auchan ou une jardinerie comme... Jardinerie Tarnaise, enfin bon, bref. Donc, quand j'ai vu 12,95 €, je n'ai pas hésité, je l'ai pris de suite. Et elle fonctionne très très bien. Bon, c'est du plastique, c'est pas la qualité de foufou, mais ça fait tout à fait son effet, voilà. Et ça fait de la lumière, de la musique. Elle est contente, elle le fait marcher, voilà. Et moi aussi, je suis contente. Voilà. Il y a plusieurs musiques d'ailleurs, il n'y a pas que celle-ci. Il y a, il me semble, 5 musiques. Et vous avez le bouton dessous qui permet de mettre rien que avec le sac qui tourne la roue. Et que la roue tourne plutôt. Je parle très bien le français. Et qu'il n'y ait que les lumières, qu'il n'y ait pas en fait la musique, quoi. Parce que des fois, au bout d'un moment, ça saoule. Ensuite, écoutez, je vais continuer comme ça me vient. Là, notamment, c'est Noël encore. Donc, c'est une grosse boule transparente avec des petits picots argentés, vous voyez, argenté et blanc. Voilà. Ça s'appelle décorative. Christmas ball with color changing LED light. Et oui, parce que, regardez. Voilà. Elle s'allume et elle change de couleur. J'ai trouvé ça sympa. Il y a différents modèles de j'allais dire balles, non de boules. Et j'en ai pris, donc j'ai pris ce modèle aussi. Voilà. Je me dis qu'à chaque fois dans le sapin, souvent, quand on met les guirlandes lumineuses, il y a toujours un endroit où on n'y passe pas avec les lumières et que ça fait un gros trou qu'on voit pas de lumière. Donc j'ai dit, j'attendrai avec ces deux boules la finalisation du sapin et je regarderai où c'est qu'il manque des lumières et je les mettrai à cet endroit pour pouvoir. Bon, il faudra que je change les piles, à mon avis, assez souvent parce qu'elles vont pas durer à chaque fois que je mets le sapin, mais c'est pas grave. Passons. Donc je les ai vraiment payé, pas payé cher. Hein. Ensuite, je nous ai pris toujours pour Noël. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le socle, pardon. Voilà. Une petite lampe qui s'accroche en fait. Qui s'accroche. Qui est en USB. Qui se branche. Et, donc j'ai dit pour mettre sur le bureau. Au niveau de l'ordinateur, donc je flanque ça dans l'ordinateur et j'ai dit ça fera la petite déco sur le bureau. Voilà, pour pas surcharger. Je trouve ça mignon et là aussi pour le prix, moins de 2 €. Voilà. On continue toujours dans Noël, tant qu'on y est. Je nous ai pris plutôt. Alors, déjà, j'ai bien aimé le petit packaging déjà. Voilà. Comme si c'était déjà un cadeau, quoi. Et en fait, ce sont des petits grelots en rose gold. En ce moment, j'aime beaucoup aussi cette couleur, en plus du bleu vert d'eau, là. Du bleu canard, tout ce que vous voulez. Le rose gold aussi est une très jolie couleur, je trouve. Elle est vraiment à la mode en ce moment. Et voilà, il bouge pas trop, donc je peux pas... C'est trop joli, j'ai pas envie de le défaire encore. Je le déferai qu'à Noël. Donc voilà, vous en avez en différents coloris. Ils sont en argenté et en doré aussi. Voilà. Je continue. Alors ça, c'est pour mettre à notre entrée. Il y a marqué « Welcome ». C'est un céramique, je pense. Donc c'est deux petits oiseaux, là, version... neige, Noël, tout ce que vous voulez, pailleté, avec des paillettes vertes, non, très mignon, franchement. Bon, après, c'est quand même assez lourd, hein. Mais j'ai trouvé ça mignon, Emma a trouvé ça tout mignon aussi, elle a voulu faire des bisous, enfin bon, bref.
Donc voilà, et là aussi pas cher comme d'habitude. Attendez, parce qu'il y a encore. Ah non, il n'y a plus rien de Noël. Ah si, pardon. Je me disais bien. Je me disais bien. Si, ça, j'ai pris, ce sont des petits rennes en bois, avec de la fourrure grise-noire là, et des petits grelots. Voilà, ça fait du bruit. Pour vos oreilles, c'est nickel. Et donc après, c'est attaché avec une petite cordelette. Voilà. Je ne sais pas si je les mettrai tous dans le sapin. Au pire, j'en donnerai un à ma maman pour le mettre dans leur sapin. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est aussi pas cher. Donc, c'est vraiment bien de trouver des décos de Noël. Parce que d'habitude, on se ruine souvent. Parce que voilà, Noël, c'est bien. Et oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Ouais, mais ça coûte une blinde là. Franchement, on peut redécorer sa maison. Pour Noël, à moindre coût, c'est très, 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 très bien. J'adore Action. Pour continuer, ça me vient, voilà. On va parler d'alimentation. Je nous ai pris pour tester de la marque Rookie. Je sais pas, il y a deux œufs. Voilà. Ce sont des nouilles instantanées, vous savez. Voilà, vous mettez de l'eau dedans et... ça gonfle et ça fait les pâtes là. Donc là, elles sont au poulet, chicken. Et celles-ci, elles sont au bœuf. Donc ça, j'ai pris pour mon mari, ça, j'ai pris pour moi. On verra ce que lui préfère, le bœuf. Et au final, je trouve que c'est pas énormément de calories. Voilà, pour un petit repas rapide et tout, ou même le soir, quelque chose de chaud, c'est comme on ne veut pas trop manger. Il y a 298 calories, je trouve ça vraiment nickel quoi. Donc voilà, et il y a en tout, quand on compte ça, plus les 250 ml d'eau, ça fait 315 grammes. Voilà, voilà, et c'est à consommer avant, c'est bien parce que ça change d'une à l'autre, de 2 juin 2017 et 18 juillet 2017, donc du coup... on les aura mangés d'ici là, largement. Voilà. Alors, tant que je l'ai sous la main, un gros, gros, gros coup de cœur. Quand je l'ai vu, je l'ai de suite envoyé en photo à mon mari pour voir s'il était d'accord que je le prenne, mais j'étais quasi obligée. Là aussi, je me souviens du prix. 9,95 €. C'est hallucinant parce qu'elle est immense. C'est une housse de couette, donc, parure de lit, housse de couette, avec je vais y arriver, tout va bien. Les deux têtes d'oreiller, ça y est, c'est arrivé jusqu'à nous. Et du coup, ils étaient en plusieurs coloris et différents modèles, enfin motifs. Nous, on a pris motif étoile. Enfin, en même temps, il ne restait pas grand-chose, hein, mais voilà. Et couleur top, parce qu'en fait, dans notre chambre, c'est sa couleur top, marron, marronné, enfin voilà. Et marcassin, la peinture, elle est marcassin aussi. Quand on a peint, c'était couleur marcassin. J'adore ces noms. Enfin. Et du coup, elle est en 200 par 220. Plus 2 T de 60 par 70, donc elles sont rectangulaires, mais ça c'est pas trop grave parce qu'on replie un peu et puis ça passe. Alors il y a marqué flanelle, duvet cover, c'est de la marque Home Collection, donc c'est pour deux personnes et vraiment j'ai touché la texture, elle est vraiment nickel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous ferai une photo quand on l'aura mis dans notre chambre, que j'inclurai dans la vidéo. Voilà, pour vous montrer. Mais vraiment, pour le prix 9,95 €, c'est vraiment nickel. Ensuite, on va continuer. Alors, je sais, il n'a que 20 mois, rassurez-vous, ce n'est pas pour maintenant. Mais quand j'ai vu là aussi le prix... à force, je vous l'ai dit, quoi, les prix. 10,95 €. J'ai dit, genre, s'il faut l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on lui offrira, ça n'y sera pas. Et si on veut la lui acheter, ben, ça va coûter une blinde. Donc, du coup, je l'ai pris maintenant. Voilà. Donc, c'est une... Bon, la Barbie, c'était pas... Enfin, la Barbie. La poupée mannequin.
C'était pas indispensable, mais c'était surtout en fait pour la cuisine équipée que je l'ai pris. Parce que on compte lui faire une jolie maison de poupée. On va essayer de la faire nous-mêmes. Et j'ai dit, ben voilà, au fur et à mesure, je vais essayer de lui acheter les petits meubles qui vont dedans. Et donc je trouve que voilà, 10,95 €, franchement, c'est vraiment pas cher. Et il y a plein d'ustensiles. Là, il y a une cocotte, là, il y a le poêle avec le couvercle. Il y a des petites boîtes de conserve et tout comme ça. Là, il y a des ustensiles de cuisine. Enfin, vraiment, vraiment très, très, très bien. Et en plus, bon, là les piles n'y sont pas. Mais elle fait du bruit et tout. Enfin, vraiment, franchement, je l'ai trouvé très bien. Très, très bien pour le prix. Donc on l'a pris, ça sera pour plus tard. Voilà, quand Action nous aura ruiné, on aura toujours ça à lui offrir pour son anniversaire ou Noël. Je plaisante. Alors ensuite, je nous ai pris une branche d'orchidée rose fuchsia, toute simple en tissu. Parce que vous avez vu dans les hauls précédents que nous avons refait nos toilettes. Et donc j'avais un vase où c'est des petits tubes, donc on ne peut pas mettre des fleurs immenses. Et donc j'ai dit je vais en découper et je les mettrai dedans. Voilà. Donc ça ne me servait à rien d'en prendre 50 000. J'ai juste pris une branche là. Voilà. Et ça sera largement suffisant. Il y avait des guirlandes aussi, mais elles étaient plus chères que si je prenais une branche. Donc du coup, j'ai pris la branche. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris pour mes activités manuelles des tableaux. Voilà. Qui sont, si mes souvenirs sont bons, 20 cm par 20 cm. Donc il y en a deux. Ce sont des toiles, mais très très bien. Enfin, j'aime beaucoup la qualité. J'en suis vraiment très très contente. Si vous devez voilà, faire des petits travaux manuels pour faire des cadres dans votre maison, moi je le fais pour la chambre de ma fille et tout. C'est vraiment très 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 bien. Et puis que ce soit peinture, feutre, crayon de couleur, ça passe très bien. C'est vraiment nickel. Voilà, voilà. Ah, j'avais oublié. J'ai acheté une guirlande de Noël chevaux à bascule. Voilà. Donc il y avait différentes, là aussi, différents modèles. Il y avait des étoiles, il me semble. Peut-être pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y avait des oiseaux, ça c'est sûr, vous voyez, là. Mais il me semble qu'il y avait aussi des étoiles. À voir. À voir, à voir. Et vous savez, ça marche à pile. Il faut deux piles normales. Voilà. Moi, et ma passion aussi des guirlandes. Ensuite, quand on parle du lot, où c'est qu'elle est ? Ah. Je montre. Alors, quand vous allez voir la couleur, vous allez comprendre pourquoi c'est. Depuis le temps que j'en cherche une pas chère, c'est hallucinant là aussi. Quand on voit le prix qu'elle m'a coûté celle-ci, là aussi 2,99 €. Vraiment pas chère du tout. Elle a 10 LED, pardon. Ça y est, je bug. 10 LED. Elle est juste magnifique. Donc je ne sais pas trop où c'est que je vais la mettre, mais je trouverai. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et en fait, j'ai trouvé sa petite sœur. Voilà. Qui, elle, par contre, était un petit peu plus chère, malgré qu'elle soit plus petite, parce qu'il y a 16 LED. Et elle mesure, alors, celle-ci. De diamètre, les boules font 6 cm, et celle-ci, 3,5. Mais par contre, est-ce qu'ils disent la longueur? Hein? Pétard, c'est super précis, quoi. Un mètre soixante-cinq. C'est super précis. Et celle-ci, est-ce que ça y a être marqué? 2,10 m. Voilà. Et donc, comme ça, ces trucs me plaisaient et qu'elles n'étaient pas chères,
Du coup, soit pour notre chambre, soit pour notre salon, salle à manger, enfin, la pièce à vivre, puisque nous avons les mêmes couleurs, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je nous les ai pris dans les tons taupe et marronné, marcassin. Voilà. Parce que vraiment, pour le prix, elles sont vraiment nickel chrome. Il me tente de les poser. J'attendais de faire le haul pour vous le montrer. Ça fait déjà 20 minutes. Bon, ça va, 20 minutes, il ne me reste pas énormément de trucs, ça va. Alors, on passe au rayon. Oh, pétard. Là, par contre, j'en ai quand même quelques-uns. Au rayon, papeterie, on va dire. Donc, je me suis pris, ça c'est pour moi vraiment, des EcoTime 3D. En fait, c'est des. Comment on va dire ça? Ça se détache et on peut coller ça où on veut en fait. Donc, tout se détache et je trouve que pour faire les cartes de Noël ou même j'en avais acheté pour faire ma pour mettre sur ma coiffeuse dans les teintes justement vert d'eau et tout ça. Et là ils ont sorti ceux de Noël. Au départ j'avais dit oh non quand même. Et au final je me dis que voilà pour faire des petites décorations vraiment je trouve ça je trouve qu'il y a de jolis trucs quoi. Moi, je vais vous montrer ça. Non, je vais pas y arriver. Hein. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors là, c'est plutôt. Ça fait un peu enfantin, on va dire. Voilà. Et celui-là, c'est un petit peu plus traditionnel, on va dire. Voilà. Dans les tons rouges, là. L'autre, c'est plus vert d'eau, comme j'aime. Et j'ai dit franchement ça pour faire voilà justement des petites décos pour la table pour... pardon ça a fait du bruit enfin voilà pour Noël pour les cartes pour mettre sur les cadeaux pour... enfin bon bref j'ai plein de petites idées donc voilà je me suis pris ça ensuite j'ai trouvé ces petits carnets là aussi donc en plus petit format couleur une fois de plus je vais pas y arriver oh pétard c'est plus rigide alors vous voyez ça brille voilà et là aussi j'ai dit pour les cartes de Noël pour faire des oh pétard tout se casse la pipe excusez moi je bouge pas. Voilà, j'ai dit, vous voyez, ouais, mais là ça fait trop de reflets. Trop de reflets, tu le reflets. Et j'ai pris le même en argenté, enfin le même, c'est pas exactement, non, c'est pas les mêmes motifs, mais je veux dire, voilà, dans le même esprit. Je trouvais ça vraiment super sympa. Même pour faire des petites activités avec la pépette, oh, va être au beurre. Et pour finir, je m'en étais déjà pris un, je vous l'avais montré. Et je me suis repris dans la même gamme donc voilà là, là. Bon, il y en a 4 feuilles en principe il me semble de chaque mais là aussi j'ai trouvé les motifs sympas donc celui-ci dans vraiment l'esprit de Noël celui-là voilà et enfin dans les tons que j'aime verre d'eau on peut faire des choses de sympa avec tout ça voilà voilà alors attendez je vais ça là je vais tout péter voilà pour faire mes créations attendez que je les chauffe tous en même temps oui c'est ça je me suis pris des stylos à l'alcool. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un embout plus épais, un embout fin. Donc, pour faire ce genre d'écriture, ou même après dessiner, c'est plus. Voilà, ça peut être plus précis ou moins. Donc, je me suis pris, ça c'est plutôt dans les tons bleu marine. Il y en a un ton plus gris, je pense. Là, c'est dans les tons plus comme je les aime, là, bleu vert canard, bleu ciel et tout ça.
dans les tons jaune orangé, voilà, dans les tons violet et un petit peu, il y en a un rose, donc vert clair, vert moyen et vert foncé, et dans les tons rouge, rouge rosé. Voilà. Donc j'ai pris tout, en fait toutes les, c'est dommage qu'il n'y ait pas de marron, toutes les couleurs qu'il y avait, parce que c'est vrai que pour mes créations c'est vraiment, certes oui, ça, même si ça coûte pas cher chacune, si je les prends tous, oui à force, et encore ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros pour, 6 fois 3, 10, pour 18 trucs, je trouve que ça va, puis c'est quand même un, à l'alcool quoi. J'ai trouvé ça vraiment pas cher. Et puis bon, de toute façon, il aurait fallu que j'en achète. Voilà, enfin, j'ai pas à me justifier. Ensuite, alors j'ai trouvé ça. J'en avais entendu parler en fait dans un hall. Et j'ai trouvé ça bien justement pour faire les cartes de vœux et tout ça. Et j'ai dit de me prendre un rouleau de ruban adhésif double face. J'ai dit ben pff, c'est vrai que souvent on achetait le scotch double face, donc ça veut dire que ça colle les doigts là, tandis que là on fait comme ça et c'est nickel. Voilà voilà, mais je pense qu'il faudra que j'en rachète parce que il y en a, hein, mais je pense que j'en aurai pas assez. Et pour finir, on va finir par le soin et le make-up. Pour une fois, j'en ai, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Alors, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé l'idée, mais vraiment super sympa. En fait, ce sont... Il y en a 50, oui. C'est de la marque Swap Leaves. Je suppose que c'est ça. Ouais. Donc, c'est dans un petit boîtier transparent blanc. Ce sont des feuilles de savon. Là, j'ai l'impression que ça va être à la pomme. Et j'ai trouvé ça vraiment l'idée, mais vraiment sympa, quoi. Parce que je me dis que on met ça dans le sac à main, et quand on va, genre, on part en voyage et que on se retrouve sur l'autoroute, qu'on arrive, soit que bon, soit, les toilettes sont occupées, ou elles sont dans un état pas possible, qu'il n'y a plus de savon, qu'il n'y a plus rien. Des fois on n'ose même pas se laver les mains. Là je me dis que voilà, on a le savon dans le sac à main. Franchement j'ai trouvé ça l'idée, mais vraiment sympa quoi. Donc voilà. Il y en a 50. Et pour le prix, je pense que j'ai payé ça moins de 1 euro. Donc franchement, j'ai trouvé l'idée vraiment bien. Ensuite, je me suis pris un eyeliner noir. Donc de la marque Max & More. Voilà. Je vais l'ouvrir avec vous. Vous savez, c'est les... Si j'y arrive. Ce sont les... Les eyeliners qui se tournent et que la mine sort, en fait. Et ça, en principe, j'en ai toujours un, entre guillemets, pour faire une retouche dans la journée, dans mon sac à main. Et là, j'en avais plus. Et je l'ai trouvé, donc... à Action, et j'ai dit, c'est trop, trop bien. Parce que là aussi... Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais pas trop cher. Et ça aussi, ça coûte une blende. Donc vous voyez, hop, la mine, elle sort. Et vous avez un petit embout comme ceci. Là. Ça ne me sert pas vraiment. Mais bon. Enfin, j'en suis très... Enfin, je ne l'ai pas testé, mais... Oh non, il a l'air très très bien. Comme je dis, voilà. C'est le... L'eyeliner SOS dans le sac à main. Ensuite, nous avons donc toujours, et encore, je ne les avais pas ceux-là, des glossy lipsticks. Donc vous savez très bien que moi, je ne prends que le côté où il y a la couleur. J'aime pas trop les gloss, donc voilà. Donc alors attendez, parce que ça c'est le Peachy Pink. Et ça c'est le Vampired. Alors, je vais vous swatcher le Peachy Pink. Il est sympa, hein? Il est sympa, il est sympa. Bien sûr, là, ça fait brillant, mais ça fait mat. Et puis,
peux vous dire que quand je dois me démaquiller la main, quoi, j'ai intérêt à utiliser du démaquillant, quoi. Et donc ça, c'est le Vampirhead. Il a l'air très très beau, le Vampirhead. Il tire vers les tons marronnés, ouais, marronnés, même un petit peu orange. C'est un mélange rouge, marron, orange. C'est, j'aime bien la couleur, franchement. Voilà, voilà. Je vais vraiment péter, je pense, les bols avant la fin. Ils sont là, mais... Et alors, pour finir, j'ai dévalisé, par contre. Enfin, pas en plusieurs fois, c'est parce que je les ai trouvés à différents actions. Voilà. Je pense que là, je les ai tous. Parce que j'ai toute la gamme. Donc, je vous les présente. Putain, mais ils scotchent ça, vraiment, à chaque fois. Alors, nous avons... Je ne me trompe pas. Alors celui-ci, un très très beau. Voilà, fuchsia. Donc je vais les switcher là. Ouais, il est beau. Hein. Est-ce qu'on voit mieux si j'allume? Donc voilà pour le fuchsia. Ça, c'est le mat Vampirhead. Ouais, ça tire un peu comme celui-ci là. Voilà, vous voyez. Très joli, très très joli. Ensuite. Il ne reste plus que ça, donc c'est faisable, c'est faisable. Alors ça, c'est le cranberry. Mmh. Oh là là, oh il est beau. Ah évidemment, c'est, vous n'allez pas y voir, quoi. Ah, enfin, c'est vraiment rouge cerise, quoi. Ah ouais. Très beau, très très beau. Et le mat rose red. Pardon, je voulais pas. Ouais, mais avec la luminosité, il fait pas super beau aujourd'hui chez moi. Et... Vous voyez mieux swatché, donc c'est celui-ci. Voilà. Putain, j'ai ouvert les rideaux. Je me mets à parler en patois, quoi. Alors ça, c'est le ouais, je l'ai bien aimé celui-là aussi, le Matera. Voilà, ah, mais là on y voit. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Là, j'aurais pas dû faire des swatchs aussi graves. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le baby pink. Ouais, baby pink. Celui-ci. Pas mal aussi. Il me reste 6 à passer. Je ne sais pas où c'est que je vais les mettre. On va trouver. Ensuite. Alors ça, c'est le mat coral. Il est beau aussi. Voilà. Alors attendez. Voilà. Là. Cette fois-ci, j'aurais eu un moment à swatcher, quoi. Mais ça, c'est le rétro red. Il est beau celui-là aussi. Ça ressemble à un rouge à lèvres. Voilà.
si moi je le vois que c'est rouge, mais bon, c'est plus compliqué. Alors ensuite, ça c'est épicente, bon, j'adore, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la gamme de Max & More, parce que ils sentent bon. Je me foutrais à cette odeur. Ça, c'est le hot pink. Bon rose, quoi. Oh, oui. Rose Barbie. Voilà. Vous voyez, celui-ci, là. Il me reste... Ouais, ça va. Encore, il va durer 3 plombes, ce truc. Je suis déjà à 36 minutes, quasiment. Ça, c'est le Mat Fabulous Orange. Oui, ça se voit, d'ailleurs. Vous voyez, ça fait vraiment orangé. Oh oui. Voilà. Là. Très joli. Mais ils sont crémeux, c'est dingue. Ils sont vraiment bien. Et pour finir, les deux derniers. Heureusement pas, parce que sinon, j'étais obligée de me le mettre sur la figure. Oh merdouille. Pardon. Ah, c'est ça. Alors, ça, c'est le nude, limite irisé, j'ai l'impression. Voilà. Je peux pas. Voilà, vous voyez, il est là. Il est vraiment très léger, celui-là, par contre. Après, c'est un nude, c'est normal. Voilà. Si on va y arriver, on va y arriver. Le dernier, je vais bien trouver une place. Et celui-ci, c'est le Matte Dyeing Red. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Je vous dis pas comment je vais galérer pour me démaquiller la main. Bon, bah écoutez, voilà, ça aura duré 38 minutes quasiment. Les filles et les garçons, enfin tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous dis à chaque fois, à mettre un petit pouce bleu si, voilà, si vous avez apprécié. À vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, ça me ferait extrêmement plaisir, parce que de voir que chaque jour vous êtes un petit peu plus nombreux, ce n'est que du bonheur. Dites-vous qu'il va y avoir encore beaucoup de vidéos, de hauls, de tests de produits finis. Enfin voilà, je compte faire beaucoup d'autres vidéos, des room tours même, des home tours. Enfin bon, bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos qui pourraient vous plaire. J'essaierai d'accéder à vos demandes, et voilà, et je vous remercie encore, les abonnés, mes abonnés, de me suivre chaque jour. Ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, et je vous fais plein de bisous. Bye bye.